Donc Ah, attends deux secondes. Challenge. Ok les enfants, voyez ce symbole, cette petite bombe avec un poisson pourri dedans. Eh ben je vous laisse imaginer ce que c'est. C'est ça le challenge. Là c'était rien, c'était rien. Là c'était rien. Ce qu'on a eu là, c'était une mise en bouche, c'était l'apéro. Alors, putain de merde. Chers amis, je laisse ça en poubelle. On là. Arrive. Le saut. On arrive sur. Attends. Oh mon dieu. Oh non. Horrible. Toi, il y a un truc noir. Mais ça peut pas être plus horrible que le truc de tout à l'heure. Non, non, montre pas. Oh my god. Ça va être horrible. Regarde, il y a un truc noir là. Ah non, mais on aurait dû commencer par ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai peur. Alors, un carré de sucre. J'aurais dit un bouillon de cube. De la cassonade. Est-ce qu'il y a une notice? Il y a une info quelconque dessus? Non. Il y a trois lettres. Ici, il y a un film. Par contre, c'est petit, mais autant c'est une bombe en fait. C'est vrai? C'est vrai? Ça sent vraiment pas très bon. Ça, on dirait du sésame. On dirait du sésame, mais franchement, je suis pas sûr du sésame périmé, ouais. Café, moi je sens un peu. Montre à la caméra un petit peu parce que ça, c'est compact, on sait pas mais ce que c'est. Il y a des odeurs de café, quelque chose de torréfié. De café. Ouais, de café. Ou caca. C'est la texture d'un bouillon en cube. Mais est-ce que vous mangez ça, les Japonais? Attendez, avant d'écrire en dessous. Du café au lait? Enfin, d'odeur. Hein. Mais est-ce que c'est pas justement un mètre dans du lait ou un truc comme ça? Il y a trois lettres. Bon, on va vite le savoir parce qu'on est en train de le bouffer comme ça, mais autant il faut le mettre dans une tasse et de l'eau chaude. Non? On va vite le savoir, hein. Mais on sait même pas le bouffer. Il n'y a pas de notice. Non, il y a trois lettres. Foutez-vous de notre gueule, mais allez-y. Là, on est con. C'est gratuit ce qu'on fait là en plus. On n'est pas sponsorisé pour manger des trucs dégueu. C'est parti. 2, 3. Alors, c'est sucré et la texture en bouche est vraiment ignoble. Je dirais pas ignoble, original. Original. En fait, la poudre fond, mais je suis persuadé que c'est à mettre dans du lait chaud ou de quelque chose comme ça. Donc là déjà, je suis à moins 1 parce que j'ai laissé paraître quelque chose. Ok, moins 1 aussi. Au début, c'est farineux et ensuite c'est pâteux. C'est ça. Mais tu te fais de la pâte. Du spectacle. On fait ça au montage. C'est vraiment bizarre. Et encore, je crois que c'est moins pire en plus, hein, pour le moment. Hein. Je crois que c'est moins pire de tout ça. Ouais, parce qu'il y a un truc là, dégueulasse qui sort. Mais un truc. Si on avait qu'un, ça irait. J'ai peur, j'ai peur. Ah oui, là je mets. C'est bon, il va pas te mordre. J'ai peur. T'as un truc frit à l'intérieur. Alors, ce qui me fait peur, c'est que c'est petit, donc ça doit être puissant. Il y a une flamme. Qu'est-ce que c'est? Il y a une flamme, Charlie. Imagine, c'est du piment. C'est piquant. Imagine, il y a une flamme. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon. Déjà, ça inspire pas la confiance. Attends, déjà, on va voir au niveau de l'odeur. L'odeur peut donner un indice. Alors, attention. Oh mon dieu de Jésus. Non. C'est du poisson séché. Non, c'est pire que. Non, c'est horrible. C'est horrible. On dirait du poisson séché. Non, c'est du poisson séché. Nous, y a un truc qui s'appelle les tarins. Au tarin, quoi. C'est très bon. Les tarins sont très bons. C'est salé et très bon. Mais ouais, c'est ça. Divise bien en 4. Allez, moi, je préfère manger un gecko vivant, je te jure. Mais franchement, je crois que oui. Alors, vous n'avez pas l'odeur, crois-moi que si vous l'aviez, vous aurez arrêté cette vidéo. Mais non. J'ai déjà commencé la poker face avant même d'avoir goûté, j'ai pas même... Attendez, voilà. Mais même la pâte et pour chat sont meilleures. Mais le chat, il fuit, je lui donne, il fuit. Bon, donc... J'allais dire pas le faire. Il y a le saut derrière, il y a le saut. Allez, mais sérieusement, c'est translucide, c'est croustillant, c'est tout petit, c'est horrible. 1, 2, 3. Du poisson séché, très bon. Moi j'aime bien. Du poisson séché. J'ai pas tenu. Moi j'aime bien. Oh, derrière un coup par contre. Mémé elle adore, ça j'en suis sûr. Moi j'aime bien. Ouais non. Le seul truc que j'aime pas c'est l'arrière goût. C'est un peu. Normalement ça mange pas. C'est un peu fumé, non? Je sais pas. On met laqué, du poisson séché. Laqué, du je poisson sais pas. Séché. Ouais mais séché mais laqué avec quelque chose dessus quand même. Ouais, c'est à toi. Toi t'as combien? Ah non, la note. Ah mais la note Là franchement,
Ah, je peux pas, moi, c'est 1 sur 10, même pas. C'est... Moi, je mets 6. On a le droit de mettre des notes négatives. Moi, je trouve ça bon, hein. Moi, très clairement, du caca, on... Avec son allure de colombin et d'algues wakame, ce snack japonais sera ravir tous vos convives. Un colombin, tu es on bien dirait gentil, de... j'aurais dit on autre dirait chose. De... Ceci et votre... est mon goûter. Ouais, ce qui est bien, c'est quand vous le mangez, il va ressortir pareil dans... quelque temps. Il va vous ressortir le même. Peut-être pas, vu comment si, il... Si, il va sortir comme il alors, a alors, c'est une odeur d'algue wakame, honnêtement. Bah, je sais pas. Quoi? Ça a pas l'air si horrible. De dalgue japonaise. Ça pue pas. On a vu pire, quoi, on a vu pire. Donc salé, hein, vous dites, hein. Ah, complètement salé. Des gros bouts, là. Hein? Hein oh, non, putain, mais tu t'es pas obligé. Je m'en fous. Oh, non, non, ben là, ouais. Là, les enfants... Oh, hein. Dieu. Est-ce qu'il peut... Oh, enfin, putain. Il y a les actes des postes. Les poules sirènes, c'est... Attends, on échange, Antoine. Il est plus petit, le tien. On dirait qu'une araignée a fait son nid dedans. Ah oui, c'est vrai. Regarde comme c'est beau. 1, 2, 3. C'est pas salé. Alors. Sucré. C'est pas salé. On s'attend à ce que ce soit salé. C'est fou. Mais en fait... C'est très sucré. C'est un goût d'aspartame. Complètement salé. C'est pas dégueulasse. Mais c'est très sucré. Je préfère le poisson que ça. Ça va pas, non? Moi aussi. Mais c'est supportable. D'accord, aucune info. Aucune info. Ah, il y a une petite image là. Il y a une petite main, attention. Danger. Attends, ne pas manger seul. Regarde. On dirait des Jelly Belly. Ah, ça, il y a 95 calories, tout ce que je peux vous dire. Par bouchée. On dirait vraiment un morceau de merde. Dry natto with soy sauce. Natto, je sais pas ce que c'est. Mais. De la poudre? Non, je pense pas. Rigole, je crois que c'est de la poudre. Par contre, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'ils font des sachets refermables quand même. Hein. Au cas où. Au cas où, tu veux pas le finir. Si tu veux partager ça avec tes amis, ta famille. Oui, demain pour le petit-déj. Sucré. Ça sent le beurre de cacahuète. Sucré donc. Ouais, non, c'est pas de la poudre. Non, non, ça sent le beurre de cacahuète. Je pense pas que ce soit horrible. Non, c'est. Non, non, ça a une odeur de caramel en fait. Oh, j'en prends un. Hein. Non, prends-en trois au cas, trop. Prends-en chez moi. Non, trop tard. C'est du caca de souris en fait. Ça, oui, ça a le look du caca de souris un peu plus marron, on va dire. Ça a l'air sucré salé par oula, contre. Oula, oui. Ça a l'air sucré salé. Allez, j'ai plus confiance. Allez, trêve de confiance. 1, 2, 3. C'est pas du soja. Allez. Horrible. Allez. Purée. Salé. Poker face. Horrible. Poker face. Horrible. Salé. Non, j'ai rigolé, ça vaut pas, c'est pas au café. Ah putain, ça, avec le jus de pomme, ça a le goût. Et rot, non? Bah attends, on peut rien faire. Ah, c'est dégueulasse. Oh. C'est le même, ça empire le goût. Charlie, ça va? Un, et je suis gentil. 0,5. Et ça, il y a un arrière-goût qui reste longtemps. Oui, hein. Ouais. Sa mère. Ouais, c'est horrible. Je pue de la gueule. Oh. Normalement, tu le sens pas quand tu pues de la gueule, toi. Pourquoi vous faites des trucs aussi innocents? Imaginez si un enfant tombe là-dessus. Est-ce que tu sens que tu pues de la gueule, là? Ouais. Normalement, tu le sens pas. Tu le sens. Normalement, c'est ceux qui sont en face de toi. Tu le sens avec ton nez, mais là, je le sens avec ma bouche. C'est ça. Je découvre des choses que je ne pensais le pas bleu, exister. Pas le bleu. Oh non, my god. C'est des poissons. Je peux pas. Alors nous avons le seau à vomi qui est là. C'est des poissons. Alors je peux juste pas. Alors t'es là pour ça. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord tous? On mange pas. Non, mange. Pour se dire on fait l'impasse. Non, on mange. On goûte. On est là, on mange. Ça sent bien le poisson. Je peux pas. Lui il est vraiment il déteste. C'est comme l'autre. Je pense que c'est du poisson séché aussi. Non, je peux pas. Vas-y, mangez. Moi, je mange. Non, je peux pas. Non, fais-moi le malin d'un coup. Je suis végétarien. Je suis pas la petite bête qui va manger la grosse. Vas-y, vous allez me dire que vous mangez réellement ces choses-là pour votre bien? Pour votre santé? Il sait vivre, les pépites de poisson, ils ont besoin de vivre. Pourquoi vous en faites ça? Pour le fric. Pour les views et la moula. On va avoir 100 vues au maximum sur ce truc. Ils ont déjà zappé, là, ils sont déjà super le débile. J'ai qui compte. J'ai vraiment pas envie. 2, 3. En fait, si tu t'imagines être sur une île tropicale en train de manger de l'ananas,
ça passe. Pas bien. Je m'attendais à pire. C'est pas bien. Ton île tropicale, je vais gerber dessus. Il va faire une convulsion. AVC. On est même pas à la moitié du paquet, les gars. Ou c'est hard. Confirmez-moi juste un truc. Là, c'est hard. Derrière goût, en plus, il reste longtemps. Je pue de la gueule. Évidemment, quand c'est mauvais, ça reste longtemps. Ah, alors. Non, non. C'est quoi ce truc? Non, on peut pas le couper en quatre. Soupaiman Plum Candy. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est à la fois dur et gélatineux. Il y a un truc noir dedans. Et il y a un truc noir, on dirait un caillou. Tant que c'est pas un être vivant. Tu sais quoi? On dirait une araignée morte. C'est peut-être un fossile. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Ça se mange ce truc? Pardon. Non mais c'est problématique là. Franchement, je sais pas ce que c'est, mais. On est qu'à la moitié du challenge. On dirait un noyau. Mais non. On dirait un noyau. T'as signé pour ça. Putain. Mais ils nous ont bien eu parce qu'ils ont rempli la moitié du carton avec plein de trucs tranquilles. Pourquoi ils ont laissé le noyau, ils ont pas laissé le fruit, c'est con. On peut attendre, bah, on va pas goûter après ça. Hein. Non, c'est con. Allez. Croque. Ça se croque pas. Mais. Vas-y, tu alors mange tout. Mais dans ta bouche, enfin, je sais pas. Faisons quelque chose. Lèche un peu. Mange tout et. Ah, ça c'est salé. Ah, un bonbon salé. C'est salé. Un bonbon salé. Bien les japes. Prends tout. En fait, on dirait de l'écorce. C'est le même goût que le poisson. On dirait de l'écorce. Hein. Bien les japes. C'est salé, vraiment. Non, tu peux pas. Une même famille, attends. Oh. Ouais. En faisant quelque chose. Ça se mange pas. C'était décoratif. Oui, oui. Mais c'est salé et ça a le goût du poisson. Il y a un gros poisson. Dedans, il y a un poisson. Je vais te le dire. Il y a un poisson, tu veux. Il peut y en avoir qu'un. C'est celui-là, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est très bon. C'est très comment bon, c'est ça. C'est du poisson séché. Pour ceux qui aiment le poisson, c'est très bon. Non, je peux plus déjà. Moi, je le mange si vous voulez pas. Plus de la gueule. Moi, c'est déjà. Mais arrêtez avec les poissons séchés. Mais vous bouffez que ça. Non, on va être obligé de goûter. Hein. Tu goûtes, hein. Oh non. Oh mon dieu, avec l'odeur. Juste le petit. Mais me le mets pas dans la tête. Le petit bout. Bon. Non, mais on dirait exactement le même truc que tout à l'heure. Oui, c'est mais c'est le même. Oh, c'est pas la peine de goûter. C'est le 1, 2, 3. Oh, quoi à boire? Il t'en a plus. Quel carré, moi. Quel carré. Nous, de l'habitude, parce qu'on mange vraiment ça. Bon. Merde, regardez pas. Donne lui et l'embattoir. Non, j'ai eu vraiment un relan. Non, c'est bon. Ouais, on mettra un petit emoji, rassure-toi. Ça va aller. Oh putain de merde. Pardon. Je peux plus, s'il y a encore du poisson, je peux plus. Hein. Attends, j'ai peur que ça remonte, hein, je te jure. Hein. Non, c'est bon, là c'est descendu. Perrier, merci Perrier. Badois, Saint-Yor. Tous les autres tranquilles. Des couilles de l'autre. Non, ça enregistre pas, hein. Si ça enregistre. Si, si. Ah, ben. 3, il y en a que 3, il y en a un qui mange pas. Des couilles de l'autre, farci. L'image, c'est des pêches. Oh, ça a l'air tout mignon. C'est des remboutants, non? Moi, je veux goûter. Fais voir, je vais te dire ce que c'est. Mais regarde, c'est des fruits souriants et tout. Mais oui, ça a l'air tout mignon. Je vois pas qu'est-ce qui peut mal se. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Que ce soit du poisson. Mais il y a des fruits dessus. Mais c'est un vrai. C'est doux comme un fruit. C'est doux comme un fruit. Oui, comme un fruit. Donc c'est doux. Vraiment? Donc il y a des chances que ce soit sucré. Oh! Oh mon dieu! Ridicule. Tu m'as trahi. Tu l'as fait exprès. Attends, Charlie. Quoi? Ça sent le fruit. Alors, c'est un vrai fruit. C'est l'équivalent. Tu sais, c'est quoi, Charlie? Ça, c'est l'équivalent des raisins à l'eau de vie. Ça a l'odeur du vinaigre ou du soja. Ouais, bon, ils sont trempés dans le vinaigre. Question, le seau il est où? Ok, mets-le au centre, s'il te plaît, je le sens pas bien. Candyson, nous ne vous remercions pas. Je vais saccager votre boutique, je vais la saccager. Oui, bon. Je pense qu'il y a un noyau dedans, faites attention. Ouais, mange pas tout d'un coup. Oh mon dieu. 1, 2, 3. Ah! Oh, regarde le royaume. Poker face. Ça a quel goût? Poker face. C'est pas une cerise dans l'alcool plutôt? Poker face. Il est ressenti. C'est infect! C'est... Attends, il faut que j'avale. Attends, Dan, tu goûtes. Mais pourquoi ils ont inventé des trucs? Je peux pas. Non. C'est salé? Mais d'accord, tu veux planter ça quelque part? Ah la vache. Mais vous avez inventé les fruits salés. Mais vous vous rendez compte? Mais vous êtes des malades. Salé, vinaigré, tout ce que tu veux. C'est dégueulasse. Un fruit, c'est fait pour être doux et sucré. Regardez-moi cette pomme qui sourit là. Ça le prie. Elle se fout bien de ta pomme de plus jamais, plus jamais. Tu connais pas, tiens le réflexe de tout croquer. Moi j'ai croqué le noyau à l'intérieur, j'avais le noyau à l'intérieur. Non, je suis pas allé jusqu'au noyau. Des boules de citron, je sais pas. Ah, citron. Ouais, c'est vrai. Du pec citron. Du citron salé. Il reste beaucoup de choses ou pas? Oh mon dieu, il en reste plein.